Bonsoir à tous et à toutes, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Soyez les bienvenus, nous sommes sur le plateau des Les Boss Lady Show et je suis le pasteur Grace et nous sommes à Évangile TV. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec des Boss Ladies. Yes. Bonsoir, bonsoir les filles, comment est-ce que vous allez? Ça va très bien, c'est temps très... T'as froid là? Non, ça va. Et les autres, comment est-ce que vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. Merci encore, Pasteur Grace, pour cette opportunité. Avec plaisir, avec plaisir. J'aime bien passer des bons moments avec vous ici. Et vous, comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Tu es sûre que ça va, toi? Oui. Je ne vais pas sortir les dossiers, mais on se connaît entre nous. C'est ça, ouais, oui, un isolement, mais j'ai vaincu, c'est bon, c'est bon. Elle a vaincu. Waouh. 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 Merci pour l'opportunité encore. Et amen. On va bien faire une chanson. Astrid, how are you today? Ça va super. Je suis très contente d'être là. Très contente d'être avec vous. Et merci, Pasteur Grace, pour l'opportunité. Avec plaisir. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Amen. 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 Alors, on a commencé une série qui s'appelle Que Dieu, que Dieu. Ce sont des souhaits que j'ai pour vous, que nous avons pour vous, pour cette fin d'année. Nous sommes déjà en décembre et nous terminons donc l'année 2022 et nous allons vers une nouvelle année, l'année 2023. Wow. Alléluia. Yes. Et franchement, félicitations à toi parce que tu es passé de 2022 à 2023. En tout cas, tu es sur le point de passer de 2022 à... Moi, je suis déjà 2023. Tu es sur le point vraiment de passer à une nouvelle année. Vraiment, félicitations à toi avec vraiment tous les défis et les challenges que tu as pu avoir. Bravo parce que tu as persévéré, bravo parce que tu as cru, tu es resté, tu as gardé la foi et tu es resté stable dans la parole de Dieu, dans, tu as gardé ta confiance en Dieu et ça vraiment c'est digne d'honneur et d'acclamation. C'est digne d'honneur et d'acclamation. Bravo, 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 bravo. Et aujourd'hui on a un souhait pour toi, on a une prière qu'on fait à Dieu pour toi. Et cette prière, c'est que Dieu te donne l'intelligence d'innover en 2023. Amen. Ça, c'est ce qu'on te souhaite pour 2023. C'est que Dieu te donne l'intelligence d'innover. Ici, ce soir, l'émission s'adresse vraiment à toi qui a lancé, qui a créé quelque chose, à toi qui a osé faire cette chose, et puis aussi à toi qui est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Et tu sens en fait qu'il faut innover, et tu sens que cette année 2023, le Saint-Esprit va t'emmener à innover, à préparer de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux programmes. En tout cas, soit le bienvenu, soit la bienvenue, nous allons pouvoir décortiquer ensemble ben, qu'est-ce que c'est l'innovation déjà pour comprendre ce qui va se passer pour toi en 2023. L'innovation, c'est quoi? C'est ça en plan. Non, l'innovation, en clair, c'est vraiment introduire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment révolutionner quelqu'un, quelque chose, pour remplacer quelque chose d'ancien, quelque chose qui est vraiment obsolète, qui ne correspond pas à l'actualité, à laquelle on fait face, quoi. Super. C'est vraiment ça, l'innovation. Super. J'ai aimé, elle a dit introduire. J'aime bien déjà l'idée d'introduire, c'est-à-dire de présenter. Il y a quand même cette idée-là, quand on parle d'innovation, de présenter quelque chose de nouveau. Et puis, elle a parlé aussi du fait que, en fait, la nouvelle chose remplace forcément quelque chose d'ancien. Vous en pensez quoi? Moi, j'ai envie d'être spirituelle. Mais sois spirituelle sur ce plateau. L'innovation, pour moi, c'est être prophétique, en fait. Parce que quand tu innoves,
tu es en dehors du temps parce que tu ne restes pas dans les circonstances présentes, mais très tu bien. Vas déjà dans le futur. Et innover pour moi, c'est refléter la nature de Dieu, parce que Dieu, il est dans le temps présent, il est dans le passé, mais il est aussi dans l'avenir. Et c'est pourquoi lorsqu'on est rempli de son esprit, en fait, on est toujours entre guillemets en décalage, parce qu'on n'est pas dans ce monde. Et c'est ce qu'il y a de bien dans le fait d'être chrétien, vraiment, parce que à chaque fois que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as cette capacité-là de te projeter vers un avenir. Tu vois, et c'est pour ça, hein. Et Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Regarde, il a des projets, et on est bien en train de parler de projets, en fait. On est bien en train de parler de domaines aussi. Ça peut s'assimiler à l'entrepreneuriat, ça peut s'assimiler à tellement de choses que vous faites. Et Dieu te dit, en fait, qu'il a des projets pour toi, il a un programme pour toi. Oh, c'est tellement... Ça commence là. Non, mais c'est tellement bien. C'est tellement bien de savoir, en fait, que Dieu a des projets pour nous. C'est ça, en fait. Et quand elle parlait d'innovation, et moi j'avais en fait aussi l'idée de fraîcheur, de nouveauté, parce que voilà, lorsqu'il y a un nouveau, peut-être que lorsque tu innoves, tu as un nouveau projet, donc il y a de nouveaux horizons, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui vont être, que tu vas rencontrer liées à ce projet. Donc voilà, c'est la nouveauté en fait dans tous les domaines en fait. C'est vraiment... Et c'est vrai ce que tu dis, hein, cette fraîcheur-là, justement, à chaque fois que tu fais quelque chose, je sais pas pour vous allez me dire, mais à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu le ressens au-dedans de toi, que, en fait, tu sens que tu es renouvelé aussi. Et j'ai l'impression que c'est aussi un aspect qui est très particulier chez les visionnaires. Parce que quelqu'un qui est visionnaire, c'est cette capacité toujours de se projeter. Toujours de se voir dans un avenir plus ou moins lointain, en fait. Et donc, à chaque fois que tu arrives à cet endroit que tu avais imaginé ou qui te semblait loin, mais maintenant que c'est proche, en fait, tout ton être est renouvelé par la nouveauté. La nouveauté fait du bien. C'est ça. Mais quelqu'un qui innove, en fait, c'est quelqu'un qui est la solution à un problème. Amen. Parce que lorsque tu innoves, en fait, tu réponds à un problème qui est présent. Et c'est ça qui est bien, parce que tu parles d'être un leader. Et c'est vrai que quelqu'un qui innove, en vrai, c'est quelqu'un qui porte quelque chose, qui porte une vision, qui sait que ce qu'il a reçu, en fait, c'est ce que Dieu lui a donné. Il ne va pas s'attendre à ce que les autres forcément valident ce qu'il a. Parce qu'en fait, lorsque Dieu te donne quelque chose, que ce soit une entreprise ou un projet, en fait, il te le donne à toi et pas aux autres. Et c'est important d'avoir ses propres convictions pour ne pas se laisser chambouler par les éléments autour de soi. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que la vision, de toute façon, elle est progressive. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment ça ce que tu disais par rapport au fait qu'on n'est pas censé vivre une vie platonique, une vie où on a l'impression qu'on va se suffire des choses que Dieu nous a données. Mais vraiment, Dieu veut vraiment qu'on multiplie les talents qu'il nous a donnés, pas que lorsqu'il reviendra, on ait les mêmes choses et qu'il se dise, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai donné tout ça il y a 10 ans, mais il y a 10 ans, vous auriez dû faire quelque chose, en fait. Et il attend vraiment de nous que nous soyons des visionnaires, pas des managers pour juste gérer ce qu'il nous a donné, mais vraiment des leaders qui innovent, qui sont vraiment dans... Là, tu as dit beaucoup de choses tellement pertinentes. Tellement pertinentes. Déjà, la première chose que tu as dit qui est très pertinente, c'est que, il faut refuser de se contenter. En fait, c'est ça aussi innover, c'est refuser de rester à un certain niveau, en fait, de se contenter du niveau dans lequel tu es, pour évoluer. Et après, tu as parlé de manager à visionnaire. Franchement, est-ce qu'on peut en parler? Quelle est la différence que tu fais entre le manager et le visionnaire? Je sais qu'un jour, tu nous as expliqué cette différence entre manager et un leader visionnaire. Vraiment, le manager, c'est celui que, par exemple, il y a 10 ans, on a donné quelque chose à quelqu'un et cette personne a managé, elle a vraiment encadré ces personnes, cette chose. Et lors du retour, par exemple, de cette personne, il va retrouver peut-être la même chose d'une manière peut-être plus encadrée, mais ce sera exactement la même chose, en fait, qu'il aura juste encadré. Mais vraiment, un leader, un visionnaire, c'est quelqu'un qui va vraiment justement innover, qui va créer des choses, qui va propulser à notre échelle ce qui lui a été confié. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la perpétuelle effusion dans son esprit et qui va pas en fait elle va pas dormir en fait perpétuelle effusion dans la en fait, l'innovation amène la croissance du coup. Amen. L'innovation amène la croissance, l'innovation
est une réponse aussi, tu disais tout à l'heure, à un problème. Et donc, je pense que en tant que femme qui entreprend, finalement, peut-être que l'innovation est vraiment la clé pour percer aussi. Mais moi, je sais que dans ce que j'entreprends à chaque fois, c'est toujours parce que je remarque je fais un constat, par exemple, je dis, ah, mais les femmes, en fait, elles sont comme si, les femmes, elles aiment bien qu'on les encourage, elles ont besoin qu'elles aient confiance en elles, et c'est comme ça, en fait, qu'après, à partir de là, Dieu me donne toujours des idées, dans le sens où je me dis, ah, mais tu sais, tu pourrais créer ça, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, et en fait, c'est une espèce de complémentarité, parce que tu te positionnes en tant qu'aide, ce qui va faire que tu vas pouvoir innover et créer quelque chose qui va répondre à un besoin. Ouais, c'est ça. Puis même, j'ai envie de dire que quand on innove, faut pas se limiter, en fait. Faut pas se limiter, faut laisser place, en fait. Comment dire, quand on brise ses limitations, il faut laisser place à des nouvelles idées que Dieu va nous donner, en fait. Amen. Et je pense aussi qu'il y a suffisamment de ressources ici sur Terre, en fait, pour pouvoir avoir toutes ces idées que Dieu nous donne, en fait. J'aime bien quand tu parles en fait de ressources parce que justement tout à l'heure on parlait du fait que Dieu a des projets pour nous et en fait il y a des ressources et très souvent on ne bouge pas, on ne change pas d'un poil parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a des ressources pour nous et on n'est pas au courant en fait. Moi je suis convaincue que lorsque Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, je suis convaincue qu'en fait il est en train de dire que en lui, en fait, en étant en lui, il y a des ressources pour se développer à l'infini. En fait, c'est l'idée que j'ai, en fait, c'est se développer à l'infini. C'est ce développement-là de soi et qui jaillit jusqu'à bénir les autres. Et en fait, je pense à la femme qui était au puits et que Jésus a rencontré et Jésus va lui dire à un moment donné parce qu'il lui demande de l'eau etc. Il va lui dire si tu savais en fait qui te demandait de l'eau tu allais me demander de l'eau en retour. Enfin là je suis en train de paraphraser. Mais ensuite il va lui dire en fait que si tu bois de cette eau, c'est-à-dire si tu bois de l'eau de vie, si tu bois de Christ en fait, de la parole, de la vie de Dieu, en fait tu vas toi-même être rassasié, en fait, désaltéré, en fait, mais en même temps, en fait, de toi va jaillir des sources, va jaillir des sources de la vie. Et je pense que l'idée, c'est qu'en tant que femme chrétienne qui entreprend en plus, on doit comprendre que Dieu ne nous donne pas pour que nous puissions consommer, mais Dieu nous donne pour que nous devenions des sources. Mais dans ce que tu dis, il y a cette notion de connaissance, parce que Jésus, il a dit, si tu savais. Ouais. Et en réalité, le problème, c'est que des fois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas la révélation. Et tu parlais même de briser les forteresses, parce que des fois, on est tellement, on a cette pensée humaine de se dire, ah, mais je peux pas, ah, mais il n'y a pas. Mais des fois, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, quand tu n'as pas te renseigner. Quand tu n'as pas l'information, combien de fois, moi, je le dis, c'est en étant en Christ. Enfin, je pense que j'avais déjà ces appétences pour l'entrepreneuriat parce que j'ai grandi, avec une mère vraiment très, très au taquet par rapport à ces choses-là. Mais je pense que ma connaissance a grandi, pas juste avec mes études, mais finalement aussi avec ma foi chrétienne, les enseignements que je reçois, qui me montrent en fait que les sources en question ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Et je pense vraiment que l'innovation ne doit pas forcément venir toujours, de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur de soi, en fait. Cette capacité à aller se plonger, j'ai envie de dire, en soi-même et dans la présence de Dieu, pour trouver des vraies solutions et innover. Vraiment faire de Dieu cette source intarissable, pas juste se dire que Dieu va me donner des dons, des talents spirituels. Il va nous les donner, certes, mais il faut aussi se dire que on doit être les richesses en fait de ce monde sont à nous. Et du coup, c'est à nous d'aller les chercher, que ça ne va pas venir à nous tout seul, quoi. Mais moi, j'ai même envie de dire que les richesses sont pas à nous, les richesses sont en nous. Les richesses, je pense que en fait, justement, le positionnement, il est différent. Quand tu te dis que les richesses sont à moi, tu veux aller les chercher. c'est deep. Quand tu te dis que les richesses sont en moi,
Yes. Mm-hmm. Déjà tu vas pas les chercher, tu veux les manifester. Amen. Oh là là. Parce que tu les as déjà en fait, mais la foi va permettre de mettre ces choses en action. C'est dans l'esprit. D'avoir ces choses-là. C'est ça. Amen. En fait, je pense que déjà à la CER en ce moment, on est passé à une autre dimension. Yes. Dans notre église, nous sommes passés vraiment à une autre dimension où nous comprenons en fait que la chose, elle est là, elle est en nous, mais que c'est à nous de manifester cette chose en fait. Ça. Et voilà, et j'ai envie de dire, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais Dieu aime l'innovation. Amen. Qu'est-ce qui prouve que Dieu aime l'innovation? En fait, là, j'ai l'idée, parce que j'avais regardé une vidéo du présentateur télé Steve Harvey. Yes. Et, que j'aime beaucoup regarder parce qu'il est très, très encourageant. C'est un très bon motivateur, c'est vrai. Et en gros, pour résumer ce qu'il disait, c'est que si Dieu, en fait, te permet de rêver, s'il te permet de le voir dans l'esprit, c'est qu'en fait, il t'a donné la capacité de le produire. Et des fois, en fait, on a l'impression, on se dit, ah, mais je rêve de ci, je rêve de ça, c'est juste un rêve. Mais non, si Dieu l'a mis en toi, c'est parce qu'en fait, il t'a donné le potentiel nécessaire pour que tu puisses le faire ressortir. Il faut vraiment pas négliger ça. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que peut-être qu'il faut regarder, justement, certaines choses que l'on manifeste comme étant un potentiel. Parce que parfois, c'est difficile de se dire, oh, ça peut devenir quelque chose. Quand on parle d'innovation, moi, je pense à une histoire dans la Bible. Je pense à l'histoire de Noé. Est-ce que ça vous parle? Le bateau. Ah. Yes. Bah oui, parce que ce que je me dis, c'est qu'à cette époque, bah, même pas, en fait, ça doit être le premier grand bateau qui a dû exister. C'est le premier. C'est-à-dire que le gars, en fait... C'est le premier Titanic. C'est le premier. Donc, c'est vraiment une idée qui était inspirée par Dieu, quoi. Dieu lui a donné les plans, Dieu lui a donné les... Bah, comment il devait le faire exactement. Et les plans, il les a trouvés où? En lui, parce que Dieu a mis en lui, en fait, suffisamment pour réaliser. Et il y a aussi autre chose, c'est que comment est-ce qu'il a fait... ces bateaux. Il a fait ces bateaux à l'aide de tous les matériaux qu'il y avait sur Terre. Les ressources. En fait, tout était à sa disposition. Yes. Il fallait qu'il voie. Est-ce que vous pensez vraiment que d'autres personnes avaient regardé ces arbres et s'étaient dit, ok, avec cette forêt que j'ai là dans mon jardin, je peux faire un Titanic? Non. On ne le croyait pas. On ne le croyait pas, on le prenait pour un fou. On l'a pris pour un fou. Les autres n'avaient pas la vision qu'il avait, parce qu'ils n'avaient pas forcément la relation. Ils n'avaient pas eu la même révélation que lui de Dieu et la relation avec Dieu. Et souvent, les visionnaires, on les prend pour des fous. Et vraiment se dire, en fait, que même si les hommes me prennent pour un fou, en fait, c'est Dieu m'a donné cette connaissance, cette révélation. Et ils verront, en fait, quand le projet se réalisera, comment ce sera un succès. Ils verront, en fait, que Dieu est vraiment glorieux et que finalement, j'étais sage et que finalement, j'ai eu une idée exceptionnelle, quoi. J'aime bien quand tu dis que les visionnaires, on les prend pour des fous. C'est vrai. Non, mais sérieusement. Surtout quand je pense à Évangile TV, je suis sûre. Qu'il y en a qui se disent, mais la pote, c'est un fou. Mais vous savez, pour le connaître depuis un certain temps, la vision, surtout qu'il a présentée une fois, il n'y a pas si longtemps, au Grand Live, c'est une vision qui existe depuis longtemps. Quand il disait, oui, on va remettre des prix à des chanteurs de gospel, on va faire ci, on va faire ça. Et tout le monde était là, waouh, amen. Mais moi, ça, c'est une vision que je connais depuis. C'est une vision qu'il a depuis longtemps, en fait. Quand il a commencé à l'époque à Rennes avec cette émission, en fait, ça s'appelait pas Évangile TV au départ quand on a commencé en fait la chaîne de télé avec l'apôtre, ça s'appelait Dynamis TV. On a commencé notre première émission plateau, ça s'appelait Allô, le ciel est ouvert. Wow. Enfin, je veux dire, en plus à l'époque, c'est progressif. Ben oui, et puis on n'avait pas beaucoup. Alors il fallait être fou pour croire que ça pouvait donner naissance à Évangile TV. Fallait être fou pour croire que les personnes qu'il mettait sur ce plateau, en l'occurrence moi qui étais une petite écolière, j'allais à l'école, j'allais encore au collège quand j'ai commencé, en mettant ces personnes en avant, qu'ils auraient ensuite après des capacités, tu vois ce que je veux dire? Il faut être fou pour croire en certaines choses et vraiment l'apôtre il a cru. Et je crois en fait que justement c'est ça aussi le nerf de la guerre quand tu veux entreprendre, quand tu veux faire des choses, c'est la vision.
sans la vision, tu ne peux rien produire, en fait. C'est vraiment ça, l'apôtre, il n'a pas été buté. Il ne s'est pas dit que la vision que j'ai reçue au début, je vais garder la même, je ne vais pas tenir en compte des évolutions, des personnes qui sont venues, des personnes qui sont parties. Il a vraiment, en fait, il est vraiment resté connecté à Dieu. Et vraiment, il a écouté ce que Dieu lui a dit petit à petit. Et il a corrigé ce qui devait être corrigé. Et ça a fait maintenant ce qui est Évangile TV. Quoi. Et j'aime bien ce que tu dis parce que prendre compte de l'évolution, c'est parfois l'évolution de la, ben, de la société, de l'environnement, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que l'innovation répond aussi au problème de l'évolution, en fait. C'est-à-dire, les choses évoluent. Et toi, tu ne peux pas juste rester déjà dans le niveau dans lequel tu étais avant. C'est ça, parce que moi, je pense que quand tu commences un projet, en fait, au fur et à mesure du projet, il y a des réajustements à faire par rapport au mode de vie, par rapport à tout ce qui peut sortir, à tous les nouveaux produits qui peuvent sortir, les façons de penser aussi, les façons de penser des personnes qui évoluent, etc. Par exemple, aujourd'hui, un exemple, on est dans l'ère du digital. Donc une entreprise peut-être qui a commencé dans les années 30 est obligée au fur et à mesure de sur son chemin et tu es obligée en fait même au niveau aussi de ce que tu investis, tu es obligée d'investir aussi dans un matériel dans des ordinateurs etc. On va dire dans le high tech et même aussi par rapport aux personnes que tu emploies, il faut que les personnes aussi sachent comment gérer les données etc. Donc en fait c'est vraiment une perpétuelle évolution et du coup tu es obligé de te calquer aussi sur les saisons comme si c'était des saisons en fait. Saisons, des risques, etc. Il y a aussi les risques aussi. Il faut le mot qui me vient quand tu as parlé, c'est il faut avoir la capacité de se réinventer. Regardez, il y a des métiers qui ont disparu. Je sais pas ce que ça vous a fait, mais moi ça m'a fait bizarre. Quand pour la première fois, je suis allée faire mes courses et que je me rends compte en fait qu'il n'y a plus de caissière. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout se numérise en fait. Il y a même des métiers qui s'inventent. Il faut se dire que par exemple, community manager, se dire que quelqu'un qui n'est pas forcément calé. Community manager, ça n'existait même pas. Quelqu'un qui n'est pas forcément calé en numérique, quelqu'un qui a peut-être un certain âge ou même qui est jeune mais qui n'est pas très à l'aise. Ben, pour se dire qu'il peut se donner cette tâche à quelqu'un parce que ce métier est inventé, ou même les influenceurs qui sont un nouveau métier pour influencer, vraiment se dire qu'on est en perpétuité. Ah oui, ça, ça c'est un sacré métier. Hein. C'est ça. Influenceur. Oh là là. C'est quoi ton métier? Je suis influenceur. Créateur de contenu. Voilà, créateur de contenu, n'est-ce pas? J'influence les mentalités. Yes. Ben, moi aussi j'influence. Moi je n'influence pas, seulement j'impacte. Amen. Yes. Non mais voilà, il faut vraiment se réinventer. Il faut apprendre en fait à nager aussi à s'analyser aussi, à écouter aussi, s'analyser, se remettre en question, écouter aussi les autres autour de toi, écouter, prendre le bon, tirer le bon de ce qu'on te dit et en fait analyser ce qu'on te dit et mettre en pratique, avancer, trouver des solutions, etc. C'est important aussi. Mais justement, dans tout ce qu'on dit, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas aussi des freins à l'innovation? Parce qu'on parle de métiers qui disparaissent, des choses qu'il faut réajuster, mais est-ce que des fois, l'innovation n'est pas aussi, ne peut pas avoir un impact négatif sur l'environnement? Bon, l'innovation a un impact négatif sur l'environnement, on le sait avant même d'aller à l'environnement. Justement, quand je donnais l'exemple pour moi des caissières et tout ça, moi, ça m'a choquée quand j'ai vu que c'était pas une caissière qui m'accueillait, qui m'aidait et que j'étais toute seule devant ma machine là. Et en plus, c'est énervant parce que à chaque fois que tu passes, quand tu te loupes, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour t'aider. Enfin, au final, je me demande, bon, c'est pour gagner du temps, mais le fait de tout digitaliser, j'ai l'impression qu'on devient de moins en moins humain aussi, peut-être. C'est ça. Peut-être que innover, c'est aussi prendre en compte les personnes qui sont autour de nous. Parce que est-ce que vraiment la personne qui a fait supprimer les caissières, etc., elle s'est dit, les caissières, d'accord, aujourd'hui, elles disparaissent, mais qu'est-ce que je leur propose aujourd'hui? Et c'est là que je me dis qu'en tant qu'entrepreneur, en fait, on doit aussi avoir cet aspect, on se dit, d'accord, je veux innover, mais est-ce que mon innovation ne va pas aussi, contraindre à être une contrainte pour les personnes autour de nous? Et c'est là qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être conduit par l'esprit pour que, en fait, notre innovation soit vraiment
poussé par l'esprit, en fait. Que l'innovation continue de valoriser aussi, valoriser les gens, valoriser les clients, valoriser... Bon, en tant que chrétien, de toute façon, il faut créer de l'emploi. C'est ça. Et par rapport à ce que tu disais, en fait, je prends l'exemple de Orange. En fait, chez Orange, ils sont... En fait, c'est une société qui innove beaucoup. Ils font énormément de projets, etc. Et ce qui est bien, en fait, c'est que leurs employés aussi évoluent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que dans le projet où je suis... je connais une personne qui a commencé à 18 ans chez Orange et là qui termine en fait un niveau vraiment haut en dessous chef de projet alors qu'elle a commencé vraiment bas. Et en fait, la manière dont elle m'a expliqué son évolution, c'est que à chaque fois qu'il y avait un projet, il y avait des formations. Et en fait, les personnes-là en fait étaient positionnées sur ces projets. Et elles grandissaient, elles en magasinaient de la connaissance. Et à chaque fois que ça montait, elles montaient aussi en connaissance, elles montaient aussi en grade, en fait. Et donc, je pense que c'est justement, ta collègue, là, elle a su se réinventer. C'est ça. Parce que pour se réinventer, il faut pas avoir peur de refaire aussi des formations. C'est ça. Faut savoir qu'on vient d'un background où on nous apprend que, il faut que tu fasses collège, lycée, fac, bac plus, quelque chose, et après, tu as fini tes études. C'est ça. Et finalement, Non, ma chérie, tu vas découvrir que tu n'as pas fini d'apprendre, en fait. C'est ça. Non. C'est vrai. Et souvent, à l'école, on a plus des formations théoriques, quoi. Et quand on arrive forcément sur le terrain, on voit que il va nous manquer cette chose, et finalement, on sera forcément obligé d'aller en formation, en fait. Et souvent, il y a des personnes qui sont vraiment récalcitrantes à y aller, et finalement, elles restent sur le banc de touche. Et tu restes sur place. C'est dommage. Les personnes qui sont peut-être plus jeunes que toi vont pas te passer devant alors que tu as plus d'expérience, juste parce que tu n'as pas voulu, en fait, repartir en formation. Et ça, c'est dommage. Moi, ça me fait même penser au ministère, hein, guys. Ah. Les GR. Les GR, les G12, tout ça. En fait, quand tu refuses d'évoluer, quand tu refuses d'entrer, en fait, dans la saison de l'innovation, de l'évolution, en fait, tu te prives toi-même et finalement, tu laisses les... j'ai dit encore, en fait. Donc, il y a quelqu'un qui va regarder cette émission et qui sera hyper agacé du fait que je dise tout le temps, en fait, et va venir mettre ton commentaire. En fait, ça va aller. Prenez sur vous. En tout cas, c'est en fait qui va sortir. Oh, en tous les cas, donc voilà, je disais, je ne sais plus, que tu te prives toi-même finalement de cette capacité de pouvoir évoluer et d'aller vers autre chose. Et c'est dommage parce qu'on veut juste pas apprendre, on veut juste pas apprendre encore. C'est ça. En fait, on se limite trop par rapport à notre âge, etc. En fait, je prends par exemple ma propre expérience. J'avais commencé le parcours normal des étudiants et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée au bac, je l'avais pas eu. Et après, j'ai essayé de refaire, de repasser. Ça n'a pas fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ma mère m'avait dit, écoute, si tu veux retourner à l'école, vas-y. Sinon, il y a aussi l'option, va travailler. Voilà. Et moi, j'ai commencé à dire, OK, je vais commencer à travailler. Et j'ai appris sur le terrain. Et au fur et à mesure que j'ai appris, j'ai commencé à acquérir des compétences, j'ai commencé à réaliser, en fait, non, je suis pas faite que pour ça, il faut que je fasse plus, en fait. Et à chaque fois, je montais, jusqu'à ce que, au final, j'ai pu bénéficier, à l'époque, on a travaillé ensemble chez BNP. Et j'ai commencé à avoir, à bénéficier d'une formation pour passer justement un BTS. Et en un an, j'ai eu mon BTS, donc j'ai eu un Bac plus 2. Voilà. Mais en fait, non, j'arrête de dire en fait. J'ai pensé aussi. Mais donc. Du coup. Par conséquent. Oh là là, quelle innovation. Quelle innovation. Ah, qu'est-ce qu'on rit, c'est trop drôle. L'idée, c'est que il faut être capable, en fait, de remettre en question parfois le système de croyance ou de pensée qu'on a, comme quand on nous explique que la réussite, c'est forcément aller à ton bac plus 5. J'ai découvert qu'il y a des personnes qui sont faites différemment et ils sont faits pour autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligent, moins capable. Et le problème, c'est que
une fois que tu as loupé, je ne sais pas moi, le bac ou bien le bac plus 2 ou le bac plus 3, dès que tu as loupé une case, il y a une mauvaise pensée qui vient s'installer en toi, un mauvais système qui te fait penser que finalement, c'est bon, tu as fini, tu t'arrêtes là. Alors qu'en réalité, tu peux emprunter un tout autre chemin. C'est ça. Pour te retrouver au même endroit qu'une autre personne. C'est vraiment ça, en fait, qu'on va pour te retrouver, regarde, elle, elle l'avait pas fait, moi, j'avais fait, notre, on s'est retrouvés au même endroit. C'est vraiment ça, en fait, garder ça, garder en fait, c'est donc, vous êtes, voilà. Ça sert à rien. En fait, si ça sert, si ça sert. Voilà, c'est allez, allez-y à l'école, faites comme j'ai fait, allez-y à l'école. Et c'est, ben, vraiment garder ce cœur d'enfant, parce que même dans le ministère, se dire que, ben, même si on a 10 ans, 5 ans de vie chrétienne, ben, on peut toujours apprendre des uns des autres, même quelqu'un qui, a, ben, qui est arrivé récemment, quelqu'un ben, qui peut-être ben, plus jeune que nous, bien en dessous de nous dans le ministère, mais se dire qu'on peut apprendre les uns des autres et qu'on doit, on doit pas en fait être orgueilleux, on doit vraiment garder notre cœur et avoir toujours cette capacité à écouter ben, nos leaders comme ben, nos frères et sœurs en Christ ou nos brebis, et vraiment pouvoir innover aussi au travers des autres. C'est vraiment ça. Et aussi, comme tu disais, en fait, moi je pense, j'avais la vision de en fait, se faire violence, c'est important de, ok, le monde avance, mais toi aussi, il faut que tu ailles, en fait. Il ne faut pas que tu te dises, non, c'est bon, je m'arrête, mais que tu te dises au contraire, ok, ça avance, le secteur avance, moi aussi, je décide d'avancer. Yes. Et en fait, quand tu vas vraiment, véritablement, moi, je pense au secteur de l'informatique, en fait, quand tu vas emmagasiner plus de connaissances, que tu vas être au courant des nouvelles innovations, etc., des nouveaux outils qui sont sortis, en fait, le truc, c'est que tu vas pouvoir, après aussi, apporter ton idée. Mais le problème, c'est que si déjà, au niveau de la connaissance, tu ne sais pas du tout ce qui se fait, tu ne sais pas encore, tu n'arrives pas à saisir, en fait, ok, là, où est-ce qu'on est actuellement, l'actualité, etc., bah, tu auras du mal à pouvoir innover en quelque sorte. Je suis d'accord. Tu vas rester bloqué sur les anciennes visions, sur les anciennes façons de faire, et tu n'auras pas les visions sur les nouvelles, sur ce qui se fait actuellement. Et comme tu ne sauras pas ce qui se fait actuellement, tu ne vas pas pouvoir innover. Je suis totalement d'accord. Donc, c'est important de savoir. En réalité, j'aimerais même aller un peu plus loin. Là, tu as parlé du domaine informatique, parce que tu es dans le domaine des data, etc. Tu as parlé du domaine informatique. Et il y a même d'autres domaines où c'est clairement bloquant quand tu ne veux pas innover. Si tu ne veux pas innover, c'est bloquant. Je vais prendre un domaine qui n'a rien à voir. Mais c'est le domaine de la direction de la louange, puisque moi j'ai conduit la louange pendant des années, etc. Et à un moment donné, quand tu conduis la louange et qu'il y a par exemple des nouveaux conducteurs de louange, etc. Ou des nouveaux, j'ai envie de dire, styles, même musicaux qui apparaissent, qui existent. On l'en voit, hein, on entend, on voit ces nouvelles techniques, ces nouvelles façons de faire. Pour une personne qui ne veut pas évoluer, tu seras bloqué. C'est très bloquant. Parce que, et c'est très orgueilleux, en fait. C'est très, très orgueilleux de rester à un endroit et de se dire, je reste à ce poste, mais je n'évolue pas. Je reste à ce poste, mais je ne veux pas faire plus pour... aspirer à plus pour être challengé par ce que les autres font aussi, parce que il faut pouvoir regarder ce que les autres font. Et j'aime bien dire aux conducteurs de louanges que j'ai été emmenée à encadrer, c'est que c'est important d'avoir toujours une inspiration, c'est-à-dire une personne qui fait mieux que toi. Il ne faut jamais être à ton niveau et te dire waouh, j'ai conduit la louange. Oh waouh, incroyable. Oh, bravo parce que à tout moi. Monde est venu te dire, oui, parce que autour de toi, c'est ça, autour de toi, tout le monde te dit oh, oh, quand tu conduis la louange, oh, les morts ressuscitent. Oh my God. Les morts ressuscitent. Oh là là. Et, oh là là. Et toi, tu tombes dans le piège de te contenter. De te satisfaire. De te satisfaire et de te contenter de ce niveau. Pendant que tu tombes dans ce piège, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a une nouvelle façon de faire, qui arrive avec, comme tu disais au début, la fraîcheur. Et tu te rendras compte que le monde a besoin de fraîcheur. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et puis même en tant que fille de Dieu, en fait, Dieu t'appelle à faire plus. Dieu t'appelle plus. Parce qu'en fait, là, peut-être que tu es content, tu es satisfait, en fait, tu es satisfaite, pardon, de là où tu es. Mais je suis sûre que si tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux sur là où est-ce qu'il veut t'emmener, tu vas réaliser qu'en fait, Dieu veut t'amener bien plus loin que là où tu es maintenant. Il y a toujours un palier qui est plus loin. Donc en fait,
Il faut vraiment se dire, ok, comme a dit Pasteur Grasse, non, 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 je ne dois pas rester là, je dois faire plus, je dois me donner les moyens d'atteindre plus, exactement, de faire plus, de grandir en fait. Exactement. Ouais. Mais en plus, dans ce que tu dis, en plus, si tu fais les choses avec Dieu, Dieu pourvoit en fait, c'est lui qui te donne, il est limité en fait. Vous dites vraiment beaucoup en fait. Je tiens seulement à lui. En fait. Oh là là, en fait, faut le bannir. Sois naturel. T'inquiète pas. C'est vrai, non mais... Sois naturel. Si c'est en fait qu'il veut sortir, laisse-le sortir. C'est ça. Non mais c'est ça, il faut en fait on va le faire avec Dieu. Quand on commence à avoir des idées, c'est pas à se dire on va avoir des idées par nous-mêmes en fait, c'est Dieu qui nous donne ses idées et il le fait avec nous en fait. Mais c'est pour ça que la Bible elle dit dans tous les cas de ne pas se conformer au siècle présent parce que Dieu est un Dieu de nouveau. Très bien. Et très bien. Que, en fait, il faut pas que notre intelligence elle puisse stagner mais qu'elle puisse toujours être renouvelée. Quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, elle est en train de dire ne te contente pas. Elle dit aussi ne te contente pas en fait, ne te satisfais pas de ce que tu vois aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce dont tu es capable aujourd'hui. Et là ça te montre même la dimension de capacité dans laquelle Dieu veut que tu entres. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sens que tu as l'impression d'être incapable, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire une chose, sache que tu peux faire autre chose. Le Seigneur, quand le Seigneur renouvelle, il ne renouvelle pas forcément la même chose. Amen. C'est vrai. Ah. Et c'est ça, mais ne pas juste se dire, je vais juste m'appuyer sur ma vue, sur ce que je vois, sur ce qui est palpable, sur ce que je manifeste aujourd'hui, mais vraiment pouvoir ouvrir nos yeux spirituels, vraiment recevoir la vision, en fait, de ce que Dieu attend de nous, et l'homme ou la femme, que nous serons dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, et vraiment se dire que, si Dieu le dit, j'en suis capable, même si pour l'instant, je ne le manifeste pas, quoi. Ça va venir et j'ai la foi. La Bible va nous dire dans Ésaïe 43 au verset 19, mais j'affectionne ce passage biblique parce que j'ai l'impression qu'il a été, en tout cas, à cet instant-là, écrit pour moi. J'affectionne vraiment, regarde, c'est même souligné. Hein, non, je lui montre, on ne sait jamais. Il est écrit pour toi. Hein? Vraiment, mais genre pour moi particulièrement, grâce ma foi. My God, c'est fort. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Il dit, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et ce passage biblique me donne envie de prêcher. Dieu te dit qu'il va faire une nouvelle chose. Dans cette saison 2023, Dieu va faire de nouvelles choses avec toi. Au travers de ton entreprise, il va faire de nouvelles choses. Je ne sais pas ce à quoi tu penses. En fait, il faut déjà te projeter dans des choses nouvelles et il faut déjà aspirer. Parce que la Bible dit aussi d'aspirer aux dons les meilleurs. Aspire aux choses les meilleures. Aspire pour ton entreprise, pour ta carrière, pour ta vie de famille, pour ton ministère. Commence à aspirer aux meilleures choses parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il renouvelle chaque matin. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Dieu est bon dans sa fidélité et il te dit que je vais renouveler, il dit je vais faire une chose nouvelle. La question c'est à quoi tu penses. Pourquoi je dis à quoi tu penses? Parce que Dieu donne au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Donc ça veut dire que c'est à toi d'abord de penser à cette entreprise que tu veux enfanter. C'est à toi de penser à ce nouveau projet ou à ce nouveau programme que tu veux faire. Ouh là là, moi je pense à les boss ladies, je pense à mes futurs programmes de 2023. C'est à toi de penser et le Seigneur va venir à dire, ok, tu as pensé. Les filles, j'ai envie de prêcher. Parce que en fait, la pensée... Libère. La pensée, c'est le début de la matérialisation d'une chose. La pensée, c'est le début de la matérialisation d'une chose. C'est important de penser. C'est pour ça qu'il va dire dans Josué, médite ce livre nuit et jour. Tu dois méditer. Pourquoi nuit et jour? Parce que pendant que tu médites, le projet se matérialise. Ça devient un schéma.
C'est ça. Tu vois, en dessin, quand on a un schéma, c'est qu'on a le brouillon, on a le modèle. En fait, c'est le schéma, c'est le premier modèle. Yes. Donc, ta pensée a la capacité de créer le premier modèle. Ouais. Et ensuite, c'est Dieu qui vient pour manifester, en fait, te montrer cette chose. Mais ta pensée a la capacité d'imposer dans ton esprit le premier modèle. Et il te dit, ce que tu vas penser ou imaginer, en fait, je vais faire plus. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu fais le schéma, Dieu fait le reste. Mais là, ça, c'est trop. T'as dit trop de choses. En plus, quand tu dis Dieu fait le reste, ça m'a fait penser à un projet. Parce qu'en fait, ok, il y a la vision finale du projet, la maquette finale, par exemple, d'une grande maison. Si tu veux construire une grande maison, il y a une maquette. Mais au fur et à mesure, tu as les livraisons de certaines, peut-être certaines parties de la maison. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il y a une livraison qui sort, c'est comme waouh. Et au final, c'est ça que ça va faire cet effet dans nos vies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu avances et que tu as une partie de la mission que Dieu a prévue pour toi qui émerge, qui est manifeste, les gens vont dire waouh, et ça va vraiment apparaître comme une innovation. Oh my God. J'ai envie de revenir sur le passage que tu as cité, parce qu'en fait, c'est une question de positionnement et de question de ce que toi, en fait, tu t'attends à quoi. Et le passage que tu as dit, je crois que c'est Jérémie dans Lamentation qui disait, en fait, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. En fait, malgré les circonstances et ce qu'il voyait, en fait, il s'attendait à Dieu parce qu'il savait que Dieu allait renouveler quelque chose. Et quand tu t'attends à Dieu, en fait, c'est lui qui va créer le vouloir et le faire et qui va faire que tu vas pouvoir, à travers tes pensées, tes idées, créer une vision. Parce que lorsque tu n'as pas de vision, lorsque tu laisses tes pensées, enfin, tu négliges tes pensées, tu vas empêcher à Dieu de se manifester parce que Dieu agit à partir d'une vision. Mais si tu n'écris pas la vision, si tu ne la lis pas couramment, en fait, Dieu ne pourra pas agir et il ne pourra pas faire au-delà de ce que tu auras pensé et imaginé. La pensée, c'est l'endroit où tu fais le schéma. La pensée, c'est l'endroit où tu fais le premier dessin. La Bible va nous dire que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Donc le salut tu l'obtiens parce que d'abord le schéma s'est construit à l'intérieur de toi et ensuite tu as parlé le salut, alors tu es sauvé. Pareil pour tes projets, tu vas d'abord concevoir la chose dedans de toi, tu vas d'abord créer la chose dans ton esprit et tu vas parler la chose, alléluia, tu vas parler la chose et la chose va se matérialiser. En fait, elle est au-dedans de ton esprit. Il dit, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert, c'est quoi? C'est que toi tu n'as pas d'idée, tu es perdu, tu n'as pas d'idée. Parce que quand tu n'as pas d'idée, tu es comme dans un désert. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche. Souvent, ça arrive aux créatifs. Ils ont l'habitude de créer des choses, ils font les choses avec excellence et puis paf, il y a un moment donné où page blanche, il n'y a plus rien en fait. Mais pourtant, Dieu te dit qu'il va mettre un chemin dans le désert. Il va mettre un chemin lorsque tu tomberas dans le syndrome de la page blanche. Le Seigneur va te donner un moyen pour en sortir. Parce qu'il va commencer à te donner de nouvelles idées. Il va commencer à faire remonter de nouveaux projets au-dedans de toi. Et il dit ensuite que des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans la solitude. Là, pour te dire que, en fait, ce qu'on veut te dire maintenant, c'est que l'innovation va arriver dans ta vie si tu sais comment prier. Premièrement, si tu sais comment penser. Deuxièmement, si tu sais comment libérer tes pensées. Libérer ce que tu as pensé. Donc d'abord, si tu sais prier. Ok? Donc, est-ce que tu réussis à penser, à méditer? Ensuite, après, est-ce que tu libères cette pensée dans l'atmosphère, en fait? Parce que l'inspiration vient parce que tu es près des sources. Et Dieu est la source. Tant que tu restes près de Dieu, l'inspiration continue de couler. Mais quand tu es loin de la présence de Dieu, il n'y a plus d'inspiration, c'est normal. Il n'y a plus de flow, il n'y a plus de... Il n'y a plus de flow. Parce que Dieu ne veut vraiment pas qu'on reste dans cette sécheresse, dans ce moment, en fait, dans ce désert, comme tu disais. Il veut vraiment que notre âme, en fait, soit plantée près du courant d'eau et que vraiment la source soit lui. Et vraiment se dire que Dieu est capable de tout nous donner tant qu'on reste cet arbre planté et qu'on portera du fruit en notre saison. À cette condition, quoi. À cette condition. Seulement à cette condition. Si on suit la logique de la parole que tu viens de donner, c'est effectivement, tant qu'on n'est pas planté près d'un courant d'eau, regardez les fleuves dans la solitude, tant qu'on n'est pas près des fleuves du Saint-Esprit, tant qu'on n'est pas dans les fleuves de la présence de Dieu, tant qu'on n'est pas planté près des courants d'eau,
on ne peut pas donner de fruits, mais l'arbre donne son fruit parce qu'il est planté près des courants d'eau. Wow. Amen. Et puis, vraiment, toi qui me regardes, j'aimerais t'encourager de te dire que les projets sont en toi. Parce que des fois, on se dit, mais où sont les projets? Je ne les vois pas. Mais les projets sont en toi. Ils sont en toi, mais ils sont cachés. Et en fait, la Bible va dire dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et quand tu vas invoquer l'Éternel, tu vas voir que les projets sont en toi et tu vas voir que le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur vraiment tout ce qu'il veut avec toi, sur tout, sur sa mission, sur les projets qu'il t'a donnés, etc. C'est quand on est vraiment plein du Saint-Esprit, quand on est vraiment en connexion avec l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vient et prend le relais tout simplement et donne aux chrétiens ce dont il a besoin. Il nous donne, la Bible dit, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. À la vie et à la piété. Donc tout ce qui contribue au succès, à la réussite de ta vie, Dieu te le donne. Amen. Dieu te le donne. Mais il faut des conditions. Les conditions, c'est la bonne température et être au bon endroit. Les conditions, c'est d'être planté près des courants d'eau. Donc, en fait, la prière, la prière, la déclaration de foi, le fait de méditer, de penser ton projet. Il faut toujours penser ton projet. Oui. Et puis surtout, là, en fait, tu donnes des clés même pour dépasser les limites humaines. Très bien. Parce que le problème, en fait, qu'on voit, en fait, et même chez certains chrétiens, c'est qu'on est beaucoup focus sur le développement personnel, les formations, etc. C'est vrai. Tellement focus sur ces choses-là que le monde apporte, qu'on est des fois défocalisé de Dieu. On se dit, peut-être Dieu, c'est moins important. Je vais écouter des mentors dans la richesse, etc. Mais une fois que tu as écouté ces mentors-là en question, mais que tu, en plus, as les clés que Pasteur Grace vient de donner par rapport à la prière, par rapport à la parole de Dieu, je t'assure que tu feras bien plus. Parce qu'en fait, les hommes qui n'ont pas Dieu, eux, ils sont limités par ces choses-là. Mais attends, mais ce que tu dis, c'est profond parce que les mentors eux-mêmes, moi, je suis pas contre les mentors, mais je précise que les mentors eux-mêmes s'inspirent de quelque de la chose. Bible. Oui. Ils s'inspirent tous de quelque chose. Et ce qu'on veut t'apprendre, c'est simplement, c'est vrai que tu peux passer par un mentor pour t'inspirer, mais on te dit que tu dois aller à la source. C'est ça. À la Dieu est ta source. Dieu est, que Dieu soit ta source, ça c'est encore une autre émission, une autre prière. Que Dieu soit ta source, parce que pour innover, il faut que Dieu soit ta source. Pourquoi Dieu ? Créateur du ciel et de la terre. On a dit créateur, le premier créateur de contenu, c'est lui. Où sont les choses cachées que personne ne connaît, il va te. C'est ça. Et puis même, il est celui qui t'a créé en fait. Il est celui qui te connaît mieux que personne. Même mieux que tes parents, mieux que les personnes qui sont autour de toi. Donc forcément, c'est à lui, c'est lui qui a le mode d'emploi. Donc tu dois aller le voir pour lui demander, ok, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est caché? Que Dieu, en fait, a été le premier à créer à partir de rien. C'est beau ça. Il n'y avait même pas la terre. Il n'y avait rien. Et lui, il s'est dit, mais je vais créer. Alors que... Mais tu sais pourquoi Dieu a pu créer à partir de rien? Parce que tout est en lui. Tout est en lui. Oh my God. Dieu a pu créer à partir de rien parce que tout était en lui. Quand il va dire faisant l'homme à notre image. À partir de lui. À partir de quoi? À partir de lui. Quand il va créer la terre jumelle au ciel. À partir de qui? À partir de ce qu'il y a là-bas. Donc le meilleur mentor, c'est Dieu. Cherche d'abord Dieu. Coach Jésus. Coach Jesus. Il faut aller voir le coach Jesus. C'est comme ça qu'on devient des champions, en fait. On peut entreprendre, on peut devenir, avoir de belles carrières, etc. Mais je pense que on en reviendra toujours à la base, la source de toute inspiration, la source de tout projet, la source du projet de Noé, c'est Dieu. C'est ça. Et puis même aussi, on parle de nos projets à nous, de nos besoins à nous, etc. Mais en fait, le fait d'être proche aussi de Dieu t'amènera aussi à voir les besoins de Dieu. Et en fait, même tu pourras même apporter des innovations en rapport avec les besoins de Dieu. Les intérêts de Dieu. Parce que ça, c'est une autre question à se poser quand on veut innover ou même quand on veut entreprendre, quand on veut créer. C'est quels sont les intérêts de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire la volonté de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on... Les mots sont en anglais maintenant, se mélangent dans ma tête. Let's break it down. C'est pour ça qu'on break it down.
pour dire que justement pour simplifier la chose, en fait, c'est les intérêts de Dieu. C'est parce que les intérêts de Dieu révèlent aussi la volonté de Dieu. Ça. Si tu arrives à voir Dieu gagne quoi dans ça quand tu veux investir là, ok, toi t'as tant de pourcents, mais Dieu gagne quoi? C'est là qu'on voit quelle est ta foi, quelle est la confiance que tu places en Dieu. Tout à fait. Parce qu'il dit, je crois que c'est dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Mais à partir du moment où tu vas le chercher, où tu vas chercher quels sont ses intérêts, qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu, et c'est là que tu auras tout ce dont tu auras besoin, c'est ça. À travers ça, en fait. Mais c'est ça, parce que Dieu veut que nous soyons un. En fait, lui en nous, nous en lui. Donc au bout d'un moment, normalement, on ne doit plus voir la différence entre les intérêts de Dieu et les tiens. Parce que vraiment, on doit être fusionnel, en fait. Donc, c'est désir, nos désirs. C'est ça, en fait. Fais de l'Éternel tes délices. Amen. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'il y a certainement des désirs en toi. Mais c'est à partir du moment où Dieu est ton délice que Dieu... Amen. Parce que... Il faut que Dieu accède à ton cœur pour voir tes désirs et les manifester. Mais si Dieu n'a pas l'accès à l'intérieur de toi, personne ne peut t'aider à manifester parfaitement. Et c'est là où tu peux créer quelque chose et tu n'es pas satisfait. Bois de l'eau, ma chérie. On va boire. On va à vous. À vous. Faut s'hydrater, là. Regardez ce que le Saint-Esprit vient de jeter dans mon esprit comme ça. Pourquoi certains ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font? Quand je dis satisfait, c'est... En fait, t'es jamais satisfait. Tu fais quelque chose, mais tu te dis pas la bonne insatisfaction dans le sens de « je peux m'améliorer ». Mais l'insatisfaction dans oh, « c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'ils font vient de leur propre intelligence, leur propre connaissance. Ce n'est pas la manifestation de la perfection de Dieu. Si c'est Dieu qui fait la chose, et quand c'est Dieu qui te donne le projet, toi-même tu es dépassé par ce qu'il te donne. Wow. Parce que c'est trop grand pour toi. Mais quand c'est toi qui le fais, tu arrives à juger la chose et te dire je suis satisfait, je suis pas satisfait. Mais si c'est Dieu qui fait, tu vas dire je suis satisfait, je suis pas satisfait. C'est faux. C'est comme je reviens à conduire la louange. Quand tu conduis la louange et que tu es conduit par ta chair, tu peux dire oh waouh, c'était bien. Oh waouh, c'était pas bien. Mais quand c'est Dieu qui a pris le relais et toi tu as juste disparu, même toi tu dis rien en fait parce que tu dis tu sais, c'était Dieu. En fait tu sais, tu sais. La dimension est trop grande. La dimension tu peux rien dire en fait. Tu peux rien dire. C'est pareil, tu sors de là, tu crées un business qui te dépasse tellement que quand on te pose la question, on te demande madame, comment est-ce que vous avez fait? C'est Dieu. It's God. C'est pas, tu peux pas expliquer en fait. Et tu es là, tu dis, honnêtement, je ne sais pas. Et les gens te trouvent hypocrite, ils vont dire, ouais, non, elle veut pas dire. Elle veut pas dire c'est vrai. Non, elle arrive pas, elle veut pas nous dire. Mais en fait, tu dis, honnêtement, c'est God. C'est personne d'autre. Amen. Et c'est là où tu disparais même du chemin. Et tu laisses Dieu, en fait, tu laisses Dieu se glorifier au travers de ce que tu es et de ce que tu fais. Donc, l'innovation, que Dieu te donne l'intelligence d'innover véritablement cette année 2023. T'as la capacité d'avoir de nouveaux projets, de mettre en place de nouveaux programmes, la capacité de trouver des idées nouvelles que les autres n'ont pas trouvées. Je déclare que tu n'iras pas sur Instagram pour trouver l'inspiration, tu n'iras pas sur Facebook pour copier sur quelqu'un, mais je déclare au nom de Jésus que tu seras ancré dans la présence de Dieu, ancré dans la personne de Jésus, et tu vas recevoir. Le Saint-Esprit va venir te communiquer des idées nouvelles. Le Saint-Esprit va t'aider à aller jusqu'au bout de ce projet. Le Saint-Esprit est prêt à te donner ce dont tu as besoin pour manifester sa sagesse sur cette terre. Je déclare au nom de Jésus, alors que tu réalises ce projet, alors que tu réalises cette entreprise, tu manifestes l'intelligence et la sagesse de Dieu. Tu es plus que vainqueur
J'aimerais vous laisser avec un dernier passage biblique. Vraiment, ce passage biblique m'a parlé dans la semaine. J'étais en train de prier et Dieu m'a donné cette parole. Je vais juste chercher le passage biblique exact. Comme ça, je vous le donne. Alléluia. Je crois que c'est Genèse 4 à partir du verset 1. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en 10 ans. C'est la déclaration de Ève qui va vraiment me gifler. On va dire ça comme ça. Lorsque j'étais en train de prier cette semaine, voici ce que Ève va dire. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Wow. J'ai créé un homme, j'ai créé une entreprise avec l'aide de Dieu. J'ai enfanté ce projet avec l'aide de Dieu. J'ai réussi ces millions avec l'aide de Dieu. J'ai gagné ces milliards avec l'aide de Dieu. Oh, alléluia, pars avec ce passage biblique. Amen. Garde-le dans ton cœur, chéris-le et dis-toi qu'en 2023, tu vas enfanter ce projet avec l'aide de Dieu. Tu vas créer un homme, au sens figuré, peut-être au sens propre, hein, yes. Pour ceux qui veulent avoir des enfants, mais tu vas former un homme avec l'aide de Dieu, tu vas former une entreprise avec l'aide de Dieu, tu vas gagner des millions avec l'aide de Dieu, tu vas innover avec l'aide de Dieu au nom de Jésus, et lorsqu'on te posera la question. Alléluia. Projette-toi maintenant. Vois-toi dans ton succès. Vois des journalistes qui viennent autour de toi, chrétiens ou pas chrétiens. Vois des magazines qui veulent t'interviewer et ils arrivent et ils te demandent, madame, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça? C'est la même phrase que Ève a déclarée que tu pourras dire. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Alléluia. J'ai créé ce business de A à Z avec l'aide de Dieu. Donc, on n'est pas des comment ils disent ça? Self-made woman. Nous, on est des God-made women. Alléluia. Oh, yes. Alléluia, on existe, on fait tout parce que Dieu est notre soutien, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous montre le chemin, c'est lui qui nous montre la voie. Donc retiens ce passage biblique dans Genèse 1:4. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. À un homme, tu peux mettre tout ce que tu veux. J'ai formé ce business avec l'aide de Dieu. Amen. Alléluia. Ouh, merci beaucoup, les filles. Wow. Merci pour votre apport à cette émission. Yeah. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous étions ravis de présenter cette émission, voilà, de passer du temps avec vous. Mm-hmm. Excusez-nous pour les « en fait hein. ». Excusez-nous. Pour le moment, hein, faites avec. Voilà. Jusqu'à ce qu'on innove. On évolue.
on doit évoluer, on doit évoluer. C'est vrai. Ça vient, ça va arriver. En tous les cas, gloire à Dieu. Merci encore d'avoir regardé cette émission et retenez la parole que vous avez reçue aujourd'hui. C'est « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » Je vous encourage également à donner vos dons, vos dîmes, vos offrandes, enfin tout ce que vous voulez, en tout cas un don à Évangile TV pour que la chaîne Évangile TV puisse avancer. Nous avons besoin de vous, cette chaîne a besoin de vous. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous du player et pour envoyer vos dons, voilà, pour que cette chaîne, ce ministère qui est quand même un ministère, Évangile TV, c'est le ministère média, qu'il puisse avancer, qu'il puisse impacter des vies au nom puissant de Jésus. Les filles, merci encore, que le Seigneur vous bénisse. Avec plaisir. Et nous vous disons à très vite. Ciao, bye bye. Bye.